À l'automne, cette partie de l'entreprise Citec de Folquemont tourne fréquemment à plein régime. Car c'est ici que sont fabriqués les sapins lumineux qui vont embellir les marchés de Noël. Une production à mi-chemin entre l'industrie et l'artisanat. Dans cet atelier, les opérations manuelles restent nombreuses. On part de matières plastiques vierges sous forme de poudre, type farine ou autre, très très fine. Et on la fait chauffer à 200-270 degrés pendant un certain temps pour qu'elle vienne coller dans une partie de moule. Et c'est le moule qui décide de la forme du plastique. Donc là, en l'occurrence, le sapin, on est sur 4 moules différents qui font la forme finale conique du sapin. En 2 ans et demi, Natureplace a vendu 1 millier de sapins, essentiellement aux collectivités territoriales du Grand Est. Des produits design en polyéthylène naturel 100% recyclable, déjà visibles pendant la période de Noël à Reims, Sarreguemines ou encore Metz. De 300 euros pour les petits modèles jusqu'à 1000 euros pour la taille XXL. Alors nous proposons des produits allant d'1,50 m à 3,50 m. Le principe étant qu'ils sont constitués de cônes modulaires qui s'empilent les uns sur les autres et qui s'emboîtent à vide pour le transport et le stockage. Et donc ça connaît un gros succès auprès des collectivités? Ça connaît un succès auprès des collectivités principalement. Ce sont des produits destinés à la décoration des espaces urbains, des places, de villages, des villages de Noël. En dehors des sapins lumineux, Natureplace propose d'autres produits comme ces champignons rouges et blancs.